En France, l'avenir d'un petit village comme le nôtre, ça intéresse personne. J'ai fait une demande de subvention pour reconvertir notre usine, et on l'a eu. On a un mois pour que le docteur Maxime Meyer tombe amoureux de Saint-Loin-la-Moderne. Parce que si le docteur signe, Bruxelles signe, et on a notre usine. Oh, village de merde. On a une semaine pour faire de chez nous le plus beau village de France. Voilà, on n'est pas dans la merde. En arrivant au village, faut qu'il ait un vrai coup de foudre. Merci. C'est sympa, hein. Faudra jouer au village parfait. Faudra être impeccable. Bonjour. Vous avez ce qu'on appelle un pied d'athlète. Merci. Alors vous emballez pas, c'est un champignon. Oh, le cauchemar. Ah, au fait, notre futur docteur est un grand fan de cricket. Oh là, on est dans la merde. Ça va être exactement la même tenue que les jours de cricket. Vous jouez au cricket par ici? Ah, bien sûr, oui. C'est même une grande terre de cricket, ouais. Alors bien sûr, il va falloir trouver quelque chose pour la protéger, hein. C'est pas ça. C'est pas ça! Tu verras, si tu restes, tu finiras par adorer la pêche. Ah, ça m'étonnerait. Non, il y a faute, là. Ah bah ouais! Là, y a... Bonjour! On est quand même bien ici. Ah, ah bah. Ah. Mais pourquoi tu ne lui demandes pas simplement d'être notre docteur? J'ai un bobard de ligne. Sans mensonge, sans magouille, sans tout ça. Ah, il est tout froid. On va toucher, il est quasiment congelé. Il y a quelque chose de particulier ici. Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous êtes vrai. J'adore mon village. C'est peut-être pas le plus beau village de France, mais c'est le mien. Il y a autre chose que t'as oublié de nous dire? Bah si, pour emporter l'affaire, j'ai dû promettre la virginité de ta fille à un fonctionnaire de Bruxelles. Quoi? Mais pourquoi ma fille? Ça va, je déconne. Ça fait longtemps qu'elle est plus vierge, ta fille.